On a vu dans l'épisode précédent combien la Bretagne a souffert économiquement et socialement pendant la Révolution et l'Empire. Pourtant, ces élites avaient été les fers de lance du mouvement. La misère et les révoltes qui affectent l'ancienne province, privée de l'essentiel de ses relations maritimes, témoignent de ces difficultés. Dans cet épisode, nous allons évoquer les efforts des Bretons pour faire redémarrer leur économie. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi a consisté le fameux débarquement de Quiberon en 1795 ? Oui, c'est une opération qui a été organisée par les Britanniques pour soutenir la chouannerie et l'insurrection vendéenne. Il s'agissait alors de provoquer un soulèvement dans tout l'ouest de la France contre le régime révolutionnaire, considéré comme dangereux pour la paix de l'Europe. Des régiments de Français émigrés sont débarqués et doivent faire leur liaison avec des chouans, mais la coordination ne fonctionne pas bien en raison de divisions dans le commandement. Malgré une bonne préparation sur le continent par les chouans du Morbihan, les retards permettent aux armées républicaines de Hoche de rassembler jusqu'à 23 000 hommes alors qu'il n'y avait que 2 000 au départ. Les chefs chouans de plusieurs départements bretons ne sont pas prévenus à temps pour pouvoir envoyer leurs renforts. Et 3 semaines après leur débarquement, une partie des troupes débarquées parvient à rembarquer. La répression républicaine est très forte et près d'un millier de soldats de l'armée royaliste sont fusillés. Et Cadoudal dans tout cela ? Après le désastre de Quiberon, il n'a pas été fait prisonnier et il a su au contraire dégager les chouans qui le suivaient de l'étau des troupes républicaines. On a alors appelé les troupes chouannes l'armée rouge à cause des vareuses britanniques qui leur avaient été distribuées et qu'ils ont bien vite jetées dans un étang. Parce que comme camouflage pour des guerrieros, c'était quand même pas idéal. Cadoudal reprend la lutte en 1798. Il remporte même plusieurs succès, mais il doit se soumettre au général Brune en 1800 et accepter une convention de paix. Il refuse cependant la paix définitive et le grade de général que lui proposait Bonaparte. Il participe même à la conspiration de la machine infernale contre le premier consul. Il se rend finalement et refuse encore de collaborer avec Bonaparte. Cadoudal passe alors en Angleterre et en 1803, il est débarqué secrètement en Normandie. Il participe alors à un complot avec le général Pichegru pour enlever Bonaparte et le transférer en Angleterre. Le complot est découvert et Cadoudal est emprisonné en 1804. Il refuse de demander sa grâce et il est guillotiné. Condamné à mort, un funeste destin attend sa dépouille. L'empereur manifeste son ressentiment contre Cadoudal. Le squelette de Cadoudal est exposé à la faculté de médecine de Paris et sert au chirurgien Larrey pour son enseignement. À la fin de l'Empire, le squelette sera récupéré par les amis de Cadoudal et enseveli dans un tombeau érigé par ses fidèles à Kerleano, lieu de son enfance, donc dans le Morbihan actuel. Bonaparte sacré empereur, les guerres napoléoniennes pour la Bretagne, ça va pas être bon du tout. Non, parce que la Bretagne vit du commerce maritime et sous la Révolution et l'Empire, c'est le blocus continental. Il n'y a plus de commerce maritime, il n'y a que la guerre de course et des combats navals. Et donc c'est le marasme. La Bretagne est très très pauvre, elle ne peut plus respirer vers l'extérieur. Ses ports s'envasent, une partie de ses hommes sont tués au front. Donc la Bretagne de 1815 est complètement exsangue. Et pourtant, certains vont tirer ou essayer du moins de tirer leur épingle du jeu, les corsaires. Oui, donc pendant la Révolution et l'Empire, certains vont essayer avec autorisation du pouvoir de faire la guerre de course, c'est-à-dire d'essayer d'attraper des bateaux de l'adversaire et de les ramener dans leur port. 8 fois sur 10, ça ne marche pas et la plupart des corsaires font faillite. Des noms quand même. Surcouf est le plus connu pour cette période-là. Donc la Bretagne sort de la Révolution et de l'Empire dans un état extrêmement grave, de déclin, de misère. Donc ça redémarre très lentement parce qu'il faut du temps pour rétablir le commerce maritime. Il y a des ports qui se sont envasés, il n'y a pas de communication vers le continent, ce qui fait donc que la Bretagne se trouve vraiment enclavée et dans un état extrêmement triste. Quel va être le quotidien des Bretons de l'époque ? La Bretagne est essentiellement agricole, les 2/3 de la main-d'œuvre est agricole. Cette paysannerie vit sur des fermes qui sont surtout en autosubsistance.
La moitié d'entre eux sont locataires de leurs terres. Ces paysans donc vendent un petit peu de surplus, vivent sur leurs fermes et donc ont des carences alimentaires assez importantes. Quand est-ce qu'on va sortir progressivement de ce marasme ? Ça va être progressif et dans certaines zones, on va sortir plus vite que dans d'autres, notamment dans les ports, la région de Nantes qui va bien réussir son redémarrage. Tout le littoral breton vit mieux cette crise, en règle générale, que le centre de notre pays, quoi. Oui, donc l'intérieur est beaucoup plus enclavé, isolé. Et d'autre part, la côte va connaître aussi assez rapidement des activités nouvelles, notamment le développement de la pêche à la morue et aussi le développement du tourisme. Et on va voir se développer un nombre considérable de conserveries, près de 200, ce qui représente à peu près 90% des conserveries françaises. Ce sont les femmes qui y travaillent surtout, les maris sont à la pêche sur des bateaux. Et donc, ça permet à certaines zones côtières d'employer la main-d'œuvre et d'élever leur niveau de vie. Travail très pénible, je suppose, pour ces femmes. Oui, travail très pénible, mais finalement un second emploi dans la famille, avec un revenu payé en espèces. Donc, ça permet des progrès relativement importants. On a essayé aussi de développer une activité dans le centre du pays, via le canal de Nantes à Brest. Oui, le canal a dû être inauguré au début des années 1840. Ce canal permet d'acheminer des engrais, notamment la chaux, pour les terres qui sont trop acides. Et on va pouvoir ainsi améliorer le rendement agricole. Et ça va permettre donc aussi le défrichement de landes. On va pouvoir, à cause de la pression démographique, mettre en culture beaucoup de landes. La surface en landes de la Bretagne va diminuer de moitié. Qui l'a fait construire, ce canal ? Le canal, au départ, c'était un projet de Napoléon. Ensuite, ça a été continué sous la Restauration et puis inauguré sous la Monarchie de Juillet. On dit que ce sont les bagnards, beaucoup, qui ont fourni la main-d'œuvre. Oui, donc ça a été un travail difficile, avec des conditions de logement très précaires. Mais donc, ce canal a finalement permis, pendant quelques années, d'ouvrir le centre-Bretagne aux produits venus de l'extérieur, notamment à la chaux. L'agriculture se développe, on parle d'un nouvel essor et aussi de l'élevage. Disons que jusque-là, on avait surtout de l'élevage de moutons. On va connaître un développement de tous les autres élevages, essentiellement bovins, porcins et même l'élevage des chevaux, parce que les chevaux sont un peu à leur apogée à l'époque. Et on voit s'élever lentement la quantité de viande consommée. Par contre, les gens mangent toujours relativement peu de viande fraîche. Il y a des ratios qui sont donnés. Le breton moyen avait quoi, 10 kilos de viande fraîche par an ? Oui, contre 22 kilos pour la moyenne française. Ça traduit donc une certaine sous-alimentation en viande. Globalement, il y avait assez à manger, mais une nourriture pas assez diversifiée, pas assez nourrissante. De fait, des implications sur la santé, je suppose. Oui, on sait que plus de 10% des Bretons ont été recalés au conseil de révision, réformés. Ça traduit un état de santé déficient. C'était deux fois plus que la moyenne française. D'autre part, on sait qu'il y avait un développement de la tuberculose, mais la tuberculose se développe surtout dans les zones urbaines, dans les quartiers ouvriers des zones urbaines. À la campagne, on trouvait des pathologies spécifiques ? Des fièvres également, toutes sortes de difficultés, et puis les effets d'un alcoolisme qui commence à se développer. Qu'en est-il du degré de culture moyen du breton de l'époque ? Fort degré d'analphabétisation ? Oui, la plupart des Bretons ne peuvent pas encore aller à l'école, parce que les écoles sont surtout dans les bourgs, alors que la population, elle, est très dispersée. Par contre, il ne faut pas estimer qu'il n'y a pas de culture. Les Bretons ont une culture populaire, transmise par le milieu familial et le milieu professionnel. Et ce n'est pas une culture négligeable. On sait aujourd'hui que beaucoup de connaissances passaient par ce moyen-là. De tradition orale. Tradition orale, c'est ça. En ce qui concerne la répartition des richesses en Bretagne, on peut dire que la région du Léon a aussi tiré son épingle du jeu. Oui, donc le Léon commence le premier à se spécialiser dans la production de choux-fleurs, d'artichauts, et commence à exporter ses produits, cette zone légumière, à un niveau de vie plus élevé que les autres. Avec ces fameux Johnny. Oui, donc les Johnny partent à l'étranger pour des travaux agricoles ou alors pour vendre leurs produits. Notamment en Angleterre. Et dans les îles anglo-normandes.
Au bout d'un demi-siècle, la Bretagne a légèrement remonté la pente. Le commerce maritime reprend, lentement. L'amélioration ne bouleverse pas le genre de vie traditionnel. Toute une élite intellectuelle, à la recherche de pittoresques, va venir à la découverte de la vieille Armorique. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de La Bretagne en histoire.